C'est une nouvelle série de portraits qui nous fait découvrir Marseille en plein cœur. Le concepteur, c'est Lascaux, l'homme au chapeau, ou plutôt aux mille casquettes, celle de réalisateur, producteur, scénariste. Cette caméra, elle est au niveau de ton cœur, parce que Marseille Inside, c'est être au cœur des Marseillais. En posant une caméra au niveau du cœur, Lascaux fond son regard dans celui des gens dont il fait le portrait, et leur vision de Marseille devient un peu la sienne. Ici, on est à Marseille, on est au Palais de Justice. Ici, c'est un endroit un peu spécial, c'est là où j'ai grandi. Je vais vous faire découvrir ma passion, c'est le parcours. C'est parti. Ce que j'aime, c'est tout ce qui est les nouvelles écritures. Le temps de tournage, il est assez court. C'est à peu près une heure et à peu près aussi une petite journée de montage. Le jeune acrobate Rémi Girard est l'un des 15 portraits de Marseille Inside. En s'associant avec Fabien Daluz, un professionnel du tourisme, Lascaux va exporter sa série à l'étranger, à commencer par Moscou, où il compte bien réaliser d'autres portraits. Le Human World Inside sera la suite à voir sur Internet. Auparavant, la série sur Marseille débutera par une exposition. Marseille Inside, c'est aussi une exposition interactive, car grâce au QR code, on peut flasher l'affiche, découvrir le personnage en regardant la vidéo sur son portable. Numérique, électronique et surtout éclectique, la nouvelle série de Lascaux nous fait découvrir une Marseille branchée.